Hey, kiki à tous et bienvenue pour l'épisode 5 de la saison 2 de Destiny. Bon, ça y est, hein, on a eu 3 enfants sur 4. Ah, il faut bien faire le quatrième qui normalement est déjà entamé. En tout cas, on est déjà à 2 filles, 1 garçon. Qu'est-ce que ce sera le quatrième? Et est-ce qu'on va finalement avoir des jumeaux comme Anémone nous a pondu en dernière grossesse? Ou pas du tout? C'est maintenant qu'on va le découvrir avec Daphné, Valérian et leurs enfants. C'est tout de suite. Petite information, toute la saison 2 de Destiny a été tournée bien avant la mise à jour avec les nourrissons et donc aussi la sortie de Grandir Ensemble. On se retrouve pour la saison prochaine pour me voir galérer avec les nouveaux bébés. J'entends un petit enfant qui pleure. Oula, calme-toi petit enfant. Bichette, elle est déjà re-enceinte, on va faire venir papa. Papa, il va venir changer la couche. Tu vas jouer un petit peu sur... Tu vas soigner ta petite fille, ta dernière née qui est née la semaine dernière. Glycine, qu'on espérait double, mais qu'elle est venue toute seule. Elle a mangé sa petite sœur, quoi. C'est pas cool. Donc, a priori, vu les deux petites flèches, notre belle Daphné est de nouveau enceinte. Pour le dernier de la portée, le dernier de la génération. D'ailleurs, tu vas te lever, tu vas me confirmer la grossesse. Ce sera en pleine nuit, hein, du coup, vers 4h du matin. Que ça viendra. On va le laisser venir. Voilà, elle va confirmer son truc. Attention, on va être étonné dans 3. Ah ben voilà. Qu'est-ce que c'est étonnant. Ouh là là, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Dis donc, incroyable du huc. Bon, chérie, j'espère que t'as. Ça va faire des promotions parce qu'on a encore des gosses. Oui, incroyable. Ah là là, qu'est-ce qu'on est fou. Crézia qui est passé un petit peu par la case relooking. Il s'est fait aussi une petite coupe de cheveux. Il est mignon comme petit garçon adorable qu'il est. Maman, mais Daph, tu fais quoi debout? Il va dormir en fait. Oui, t'as faim, mais va dormir, il est 5h du matin. Et c'est vrai que c'est l'anniversaire des Dead Vice. Oui, la petite choupie, première du nom, première de la génération. Elle va venir une petite fille. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on lui crée une chambre. Où est-ce que je vais faire pousser des murs, moi? Frisia n'est pas content d'avoir une petite sœur. Il est 8h30 du matin. On va s'occuper de la petite Glycine. Voilà. Allez, dépêche-toi. Oh bah, dis donc. T'as une jolie couleur Glycine aussi sur ton slibard, mon beau. Hein. Oh, Nubu. Ah oui, nous sommes lundi. C'est l'heure des factures. 1019 simflouz. Très bien. Bon, bah ça va, ça devrait le faire. On peut même organiser un anniversaire avec la famille. Je pense qu'en plus de ça, je les ai toujours pas mariés. Il va vraiment falloir qu'on y remédie. Elle se dit au bout de 4 enfants. Ouais, peut-être que quoi. Pendant qu'elle se détend dans son bain de lavande, pour faire augmenter bien sûr son environnement paisible, elle a bien raison. On va commencer à préparer tout doucement l'anniversaire d'Edelweiss. On prépare sérieusement l'anniversaire. Le gâteau est en train de cuire. On prépare aussi des sandwichs parce qu'on sait tous que les Sims sont des gros morphalos. Qu'est-ce qu'il a, Frésia? Il a pissé à côté. Et voilà, on lance les invitations. Ouais, j'allais dire habille-toi parce que tu vas pas rester en slip aubergine. Et on va attendre les invités. Allez, on commence à mettre l'ambiance. Ah, incroyable cette musique, elle me flingue. Le bal des vieux est ouvert. C'est Adonis? Oh purée, Adonis est vieux, hein. Adonis est grabataire, Adonis... Mais qu'est-ce qu'il fout? Bah dis bonjour aussi, mec. Il est fou, lui. Mais il repart? Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Qui c'est qui est colère comme ça? C'est Gabriel. Bah le petit frère de Anémone, qui est à peu près le même âge que finalement nos protagonistes principaux. Là le monde. Oh Bleuet, le beau gosse. Salut. Eh, il est adulte? Oh oui déjà. Il y a Célia et tout. Direct, hein, ça arrive, ça bouffe. Hein. Oh non. Riel, elle se met à pleurer. Mais non, pourquoi tu pleures maintenant? Ah au fait, vous savez pas, on a encore un enfant. Hein. On en a 3, on en a 4e sur le... Voilà, en route aussi. Oh là là, Camélia. Camélia, elle a suivi les conseils de faire un bébé, hein, la vache. Ils ont quoi, là? Il a quoi, Donis, le vieux, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est vénère et qu'il gueule sur tout le monde? Oh, qu'elle est jolie, Marie en fleurs, c'est la fille d'Adonis et de Jaya. Elle est trop belle. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être là, à être énervés, là? Allez vous asseoir dans la canne, je sais pas, moi, dans le salon, un peu, non? N'est pas un adepte de la tectonique, mais Alexandre en fleurs. Ben, l'autre enfant, parce qu'il en a eu 3, Adonis et Jaya. Voilà, ils sont très beaux tous les 3. Bon, lui, il mérite un relooking aussi, hein. Spotted, Frésia! Papa va venir gueuler sur toi, Frésia. Et dans le chaos le plus total, alors que Glycine gueule, les moitié des invités est dehors, et que... l'autre gamin fait la merde, Frésia. Et ben c'est l'anniversaire d'Edelweiss. Yes. Happy birthday, Edelweiss.
J'espère que t'es aussi belle que ta mère. Oh, bah elle est mignonne pour l'instant, en tout cas. Alors, Edelweiss aura comme premier trait de caractère 1 et 2 et 3. Gloutonne ! Quel plaisir ! Et comme aspiration d'enfant, je ferme les yeux, je tire au pif, c'est pas bon. Et ici, ce sera turbulente. Et ben voilà, regardez la petite biche, elle est tristesse. Elle est tristesse, mais bizarrement, pour le gâteau, tout le monde rentre dans la baraque. Hein. C'est une merde son nom, ce clavier, parce qu'elle s'est à peine assise pour manger. Hein. Elle a même pas touché au truc. Et ben, le truc, il s'est cassé. Allez, ben, c'est la fête est finie, là. Les gens, rentrez tous chez vous. On a quand même chopé une médaille d'or, je sais pas par quel miracle. Hein. Je suis en train de me rendre compte que quand j'ai appelé à table, y a personne qui a touché au gâteau. Mais attends, meuf, attends. Va remettre des bougies, il va resservir, c'est pas un souci. Ah oui, ben, je suis en train de me dire... C'est la préfète, ils vont aller se coucher, mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore de chambre ou de lit, elle. Tabarnak. Et comme par miracle, une chambre a popé au fond, ici même. Pour l'instant, c'est une chambre pour elle toute seule. On verra bien ce qui arrivera ensuite. La partagera sûrement avec Glycine par la suite, hein. Mais en attendant, elle a sa chambre. Ici, ce sera pour les bonbons, ou on verra bien. Hein. Genre, je viens de l'installer, tu t'es dit, bah, tiens, je vais aller dormir là-bas, moi. Bah, tu vas aller pisser dans le pot, en fait, hein, déjà. Et après, tu iras te coucher. Frésia, s'il te plaît, tu obéis. Ou c'est le congèle. Le pauvre, il est presque 1h du matin, il a pas le temps de poser ses fesses, quoi. Ah, ça y est, les enfants commencent à tous dormir, tu iras border aussi le petit. Tu pourras éventuellement te prendre un bain et aller te coucher. Oh non, encore. Mais elle s'arrête jamais de pleurer, elle, hein. Clairement, clairement jamais. Ah non, hein, je t'ai mis une veilleuse, meuf. Tu peux pas avoir de monstre et je le vois pas. Non, je le vois pas. Non, je le vois pas. Il n'existe pas. Là. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination. Edelweiss fait la gueule parce que ça va être sa première journée d'école. Oh, tu bouffes un truc pourri, toi. Mais tu es folle. Tu es folle, allié. Mange la salade, plutôt. Oh là là. T'as le swag, ma belle. Allez, bonne première journée d'école. Et bonne journée à toi, avec ton gros bidou. Ouais, déjà, elle commence bien, cette gamine. Hein. Elle fait des dessins inappropriés. Allez. On la punit. Alors que je profitais du calme qu'il y avait dans la maison, il faut bien sûr que Glycine se réveille. Saleté. Oh oh, Camélia a accouché. Mais qu'est-ce qu'elle a eu donc dans le gros bidon? Elle a eu encore un petit garçon, donc Louis, avec Frédéric, Chantal et Sophie. Voilà, ça fait quand même pas mal de monde. Bleuet, on en est à... T'es quoi ça, Romain? Ah oui, il avait adopté, je crois. Et Vincent. Et Doronique, pour l'instant, il a un petit garçon qui s'appelle Stéphane. Ouais, c'est pas mal. Et Alex? Alex, il s'en sort comment? Oh ben, Jacques... Et Paul, bah oui, dans les vieux prénoms, on y est bien, quoi. Et vous, Paul? Donc, Amélia, t'es sympa, mais il essaie de bosser, là. Il est censé étudier les adversaires. Ah bah non, bah il doit aller bosser. Salut, tu veux garder nos gosses, par contre? Si tu pouvais servir de babysitter gratuite, ça nous aiderait, hein, comme tu veux. Oh, Edelweiss rentre de l'école avec apparemment une copine. Où tu l'as mise, ta copine? Je sais qu'il y a un fleuve juste en face, j'espère que tu l'as pas foutu dedans. Ronique, tu fais quoi chez nous, comme ça, sans toquer à la porte? Tu veux devenir meilleure amie avec ma fille, c'est ça? Tiens, tiens, un décédé qui nous appelle pour dire que, voilà, on a reçu, donc on a demandé quelques conditions. Comme ça, on touche les 2500, alors que Glycine rehurle. Qu'est-ce que c'est? Encore Camélia à la porte? Mais t'es un peu relou, hein? Mais c'est quoi, ça? Mais c'est qui, elle? Elle débarque comme ça, mais fout le camp de chez moi? Mais c'est quoi, ces Sims qui pop comme ça chez vous et qui vous empêchent de vivre, en fait, à un moment donné? Oh là là, ouh là là, mais ça devient n'importe quoi, la gamine elle hurle, ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs. Allez ma chérie, tu vas devoir aller te coucher, tu vas demander à maman de venir te coucher. Hier c'était papa, aujourd'hui c'est maman. D'ailleurs ça va devenir son troisième trimestre là, dans 5 heures encore. T'as besoin de te détendre, tu vas faire crac-crac avec ton homme. Ça me paraît logique, non? Daphné, Daphné s'il te plaît, réveille-toi. Tu as du pain sur la planche et du sexe dans le lit. Voilà, ça remonte le moral, le divertissement et tout ça. Allez, pendant qu'on atteint le dernier trimestre de la grossesse, de la dernière grossesse, on a Miss Glycine, la chieuse, qui hurle pour changer. Et elle repleure, et elle repleure, c'est vraiment une chieuse. Oh, c'est déjà l'heure d'aller à l'école? Eh ben, vas-y. Bon, ça va, t'es presque, je dis presque, à l'heure. Tes collègues, ils doivent l'avoir tout le temps enceinte, quoi. Ils disent, mon Dieu, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller bosser. Et bon courage! Toile temporelle. Daphné travaille dur dans son atelier d'artiste lorsqu'un arc électrique apparaît et crée une forme d'eau oblongue au centre de la pièce. Alors que Daphné se protège les yeux de cette lumière soudaine, deux hommes émergent de cette anomalie.
Ils se présentent tous les deux comme Grégory Plenosas. Le Grégory le plus jeune exprime son souhait de commander un portrait du Grégory plus âgé. Selon lui, maintenant est le seul moment de continuum espace-temps où le portrait peut être créé sans perturber l'équilibre de la continuité. Grégory indique que Daphné sera bien payée pour ses efforts. Daphné va-t-elle réaliser son portrait ou demander poliment aux deux hommes de retourner dans leur portail? Augmentera sa notoriété et gagnera de l'argent. Bon, on va faire le portrait alors. 560, ça va. Une image de Grégory Plenosas a pris vie sous la toile de Daphné. Les Grégory ont l'air impressionnés et ont hoché la tête de concert tout en lui tendant une multitude de simflouzes patinés. Ils sont ensuite retournés dans l'anomalie de portrait à la main et le portail s'est refermé derrière eux. Soudain, Daphné a poussé un cri de surprise. Le panneau visible par la fenêtre du studio affichait l'image qu'elle venait de peindre, accompagné d'une grande publicité pour Plenosas Industries. Est-ce que Daphné a altéré la chronologie du monde? Réponse dans le prochain épisode. Ou pas. Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Glycine qui pleure. Alors que la petite biche revient toute seule de l'école comme une grande fille. Tu vas regarder un peu la télé et après tu feras tes devoirs, ma cocotte. Et notre belle Daphné arrive. Ainsi que le retour des petites enfants. La pauvre, elle est tendue, elle est pas bien. Tiens, tiens. Comment va Bleuet? Salut Bleuet, tu vas bien? Tu es enfant Bleuet, tu es beau Bleuet. En plus donc, dans la nuit, on aura la naissance du dernier petit. Mais ce soir, on va voir... la révélation de Glycine, savoir comment elle sera. Hey, hey. Oh, cette musique... Adonis! Ah oh non, c'est Adonis qui est mort! Oh no! 23h30, Glycine va-t-elle popper de son berceau? Ça y est! Oh, bah elle a encore les cheveux noirs. Oh purée! Rip les cheveux blonds, hein, ça... Ouais. Rip les cheveux blonds, je pense. Et c'est une petite fille avec les yeux bleus de papa. Comme Frésia. Et elle sera 1, 2 et 3 Angélique. Dommage, l'indépendant nous est passé sous le pif. Par contre, elle est mime, ça. Elle est très mignonne, quoi. Oh là là, on va lever Daphné qui va se pisser dessus. Et avec l'expérience, elle sait que quand le pipi menace d'arriver, de tomber comme ça directement, c'est que bébé arrive aussi. Et toi, tu vas nous casser les pieds avec le monstre, bien sûr, Arthur. Et le travail a commencé, le travail a commencé, le travail a commencé pour Daphné et son petit bébé. Et avant, on prend le temps de remettre au lit sa grande fille. Allez, Nubu, il arrive, c'est parti. S'il te plaît, Valérian, tu peux venir. Tu vas être papa. Oui, je sais, t'es rodé maintenant. Bébé numéro 4 is coming. Ah, garçon, fille, fille, garçon. On ne sait plus, on ne sait pas. Et la délivrance arrivée, et c'est un garçon. Bah finalement, on aura fait les deux à chaque fois, quoi. Alors, en garçon, en H, je vais vous dire qu'on va se marier. Moi, j'aimais bien Elebor, parce que ça fait aussi, après, très nom qu'on a dans Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc, Elebor. J'espère vraiment pas qu'il soit arrivé à deux, parce que sinon, je hurle. Ah, oh, c'est bon, il est arrivé tout seul. Elebor est né, deux filles, deux garçons. Eh ben, dis donc, un nouveau check sur la liste de ce qu'il fallait faire pour cette génération. Ouais, en pleine nuit. Enfin, pleine nuit, petit matin, il est presque 6 heures. Ça fait joujou. Ah, bravo. Diantre, la fête des récoltes. Oh, les nains sont déjà là. La faucheuse en plus, super, ça promet. Et le ciel est triste parce qu'il y a un petit frère qui est arrivé. Bah, tu sais, ma pauvre, tu seras obligée de... Ouais, de les aider, de les supporter, de les élever un jour. Par contre, toi, va à l'école, ma petite, je suis désolée. Hein. Ouais, bah, t'iras pleurer à l'école, t'iras te plaindre. J'ai encore un petit frère, j'en ai marre, moi, je vais être toute seule. Oh, vendre une galerie d'art. Mais tu en as... Putain, elle est là. Non, mais meuf, arrête de me faire des trucs pareils. Tu vas me la vendre à une galerie d'art. Et arrête d'enchaîner. Je t'ai pas demandé de peindre pendant 3 ans, là, Jacqueline. Bah, on va se remettre à jouer un petit peu au piano, parce que... Il le faut. Bah, il y en a un autre qui nous casse les oreilles. Et il s'appelle Elebor. Saleté. Oh là là, mais pourquoi tu pleures? Là, c'est des poupées. Mais tu te fous de moi. Mais va dormir, en fait. Allez, de toute façon, toi aussi, va au lit. J'en ai marre. Je peux vous voir. On me casse les pieds. Mais ils s'arrêtent jamais, ces gamins, de pleurer comme ça, là. Oh, ils sont casse-couilles, je vous le jure. Oh! Oh! What? Mais quoi? L'encens, il peut me foutre le feu? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Vas-y, va nettoyer ça. Non, mais c'est bon, les gamins, laissez-les tranquilles, en fait. Voilà, ça a cramé, ça a éteint. Il y a 1h du matin, là, retournez vous coucher. Oh là 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 là. Il est hystérique, mais pourquoi t'es hystérique, toi? Ouah, bordel!
Non! Mais va te calmer au lieu de danser, gros con! Oh non, mais sérieux. Oh! Oh! Wow! C'est bon. Non, mais je veux bien qu'il meure, mais ce sera pas maintenant, hein! On a besoin de lui pour l'instant! Purée! Et elle, là, faut que je la surveille, elle arrête pas d'aller bouffer même quand elle a pas faim! Bah lui, c'est le trigloutonne, hein! Mais qu'est-ce que tu fous? Mais va pas laver la petite! Laisse-la faire sa vie, et toi aussi, va te coucher, Daphné, là! Oh là là! Bientôt l'anniversaire d'Elebor! Et bien sûr, vu qu'on parle de lui, gueule, évidemment! Ah, je vous jure, il y en a 4, c'est beaucoup trop 4, hein! Oh la vache! Qu'est-ce que je suis folle, moi aussi! Il s'arrête pas, hein! Ils ne s'arrêtent jamais, hein! Ah, qu'est-ce que c'est bien quand ils ferment leur tronche, les bébés, là, j'en peux plus, je vous jure. Allez, c'est une des rares fois que tu vas au boulot pas enceinte, ma belle. Eh, si on s'échappait un peu de la maison pour voir autre chose, quand même, la plage, par exemple, c'est beau, hein, on en a profité au début. Il y a tellement de boulot et tellement de taf avec les gosses qu'on prend pas le temps de se balader dans le quartier. Match du jour, la tension est à son comble, l'arbitre est sur le point de siffler la fin du match, tandis que deux joueurs se trouvent à 10 mètres seulement des buts. Valérie, on peut tenter un tir de dernière minute ou assurer et faire égalité. On va tirer. Prenons des risques, petit gain de perf, et ben c'est bien. Et Daphné revient, ainsi que les Morbac. Ça va ma belle? Allez, on va s'occuper de toi. Oh, il pleure lui. J'en peux plus. Alors, je t'adore, Daph, hein, et je trouve ça très mignon que tu te joues avec ta fille, mais... Il a encore pété le machin. Mais c'est vraiment de la merde, hein, ce truc-là. Mais c'est de la merde. Mais non, la bouffe, elle a déjà pourri. Oh, mais quel enfer. Oh, papa. Non, bah c'est bon. Attends, tu vas te remettre là. Papa est revenu. Papa, il va faire à bouffer pour les gosses. Je n'en pouvais plus. Oui, c'est bientôt l'anniversaire de Valérian. Oh là là. Les Morphales qui attendent patiemment que papa ait fini de faire à bouffer pour se jeter dessus. Et niveau 6 de peinture. Attends, mais j'en ai marre que tu... Mais non, mais arrête d'enchaîner comme ça. T'es chiante. À un moment donné, tu comprends ce que je te dis ou pas, Janine? Super, Valérian, merci. Non, là, tu... Tu nettoies et tu me répares, là, ça suffit. Hein. Tu vas pas regarder la télé tranquille. Hein. Ouais, je veux bien te comprendre, ma petite Daph. À cette heure-ci, c'est difficile. Tu vas parler à ton petit, là? Qui se met à hurler. Avec un peu de chance, il te laissera tranquille cette nuit. Oh, c'est sérieux, elle vient juste de le reposer. Il s'est chié dessus instant, quoi. Mais quelle saloperie, je vous jure. Allez, bonne nuit, tout le monde. Oh, j'en ai marre. Je vous jure, ce gosse... Il va finir dans la cave. Ah, on n'a pas de cave? Ouais, directement coulé dans le béton, c'est ce que je voulais dire, ouais. C'est son anniversaire, youhou, il va grandir, ah, trop bien. Je me rends compte que j'ai toujours pas relooké la petite. J'ai une flemme monumentale. En fait, j'aimerais au moins tous les faire en même temps, et puis au moins je suis tranquille, quoi. Oupsie! Et Daph doit travailler. Ah, les toilettes sont cassées, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est parti pour le boulot. On a appelé encore le réparateur, on aurait dû prendre une carte de fidélité, hein. Et qui repleure? On se posait la question, dis donc. Mais qui donc qui pleure? Ah bah dis, qui me casse les oreilles depuis, hein? Bon. Et elle? Qui enchaîne? Mais la lue. Ça devient chaos, hein, cette baraque, quand même. Pendant ce temps-là, je mets Edelweiss au yoga. Ça l'occupe, ça lui évite de faire des conneries. Oh merde, mais Frésia, c'est son anniversaire. Bon, ben, super. Dès que Daphné revient, on lui fête son anniversaire. Ah bah c'est cool. J'aurais deux bambins de moins, mais quel plaisir. Ah bah oui, j'avais oublié qu'il existait, lui, dis donc. Ah bah non, il va au boulot, lui, tout à l'heure. Ouais, bon, tu vas aller bosser, c'est pas grave, c'est Daphné qui va s'en occuper, qui va faire l'anniversaire. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, les sandwichs sont servis, et lui, il va bosser. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi le chien, là? Garderie, là, dégagez de là. Et Edelweiss fait le ménage. Bien, elle aide. Waouh, promotion pour Daphné. Promu au poste... Imagiste, imaginative. Tu es la best. T'as toujours des fringues dégueu, mais t'es la best. Les dégaines des gamines en mode fête, c'est quelque chose, hein. Ouais, bon, elles seront relookées pour le prochain épisode. Non, j'ai vraiment la flemme aujourd'hui, ils m'ont trop épuisée. En vrai, il met tellement de temps à arriver qu'elle peut se taper aussi son bain. Et il y a toujours personne à l'horizon. Je suis désolée, mon petit Frésia, mais il y a toujours personne, hein. Donc on va faire l'anniversaire sans personne. Voilà, la nuit tombe. Il n'y a aucun invité. Eh ben, c'est pas grave, hein. On va faire l'anniversaire sans eux. Et tant pis. Ah ben, il y a toujours lui qui est là, par contre. Ah, quel plaisir. Fluffy et happy birthday, Frésia. Tu nous feras plein de bois. Pourquoi? Je sais pas, fallait que ça rime. Cherchez pas. Et hop là, le petit garçon qui vient de grandir. Oh, j'aime bien cette coupe de cheveux. Pff, il est beau, hein.
pour l'instant, il est très beau. Alors, son premier trait de caractère, qui devra porter toute sa life, sera 1, 2 et 3. Pitre, yes. Et l'aspiration au choix, je ferme les yeux. Et eh ben, ce sera un enfant très sociable pour un putre, j'ai envie de dire, c'est logique. Happy birthday! Trop mignon! Donc tu peux remettre les bougies et elles resserviront pour ta petite sœur. Papa, il a raté à 2 minutes près l'anniversaire. I'm so sorry. Attention, comme on doit jouer de la musique, on va éteindre la samba là. Paf! Et elle va nous faire un truc. De dingue, évidemment. Quant à Edelweiss, elle grandit dans 8 jours. Ce qui veut dire que ben. Elle sera adolescente. Et je vous rappelle que le tirage veut que quand le premier enfant devient adolescent, les parents meurent tragiquement. Voilà. Sur une petite musique enjouée comme ça, c'est sympa de l'annoncer, de le remémorer. J'aime bien, j'aime bien. Bon bah personne ne sera venu à l'anniversaire, c'est quand même un comble. Comme s'ils aimaient pas notre fils. Ou ils se sont dit, attends, ils en ont fait 4 là hein? Non mais attends, on va pas y aller, ça va être le bordel. Et c'est une médaille d'argent pour la fête d'anniversaire où personne n'est venu. Heureusement que notre fils, il a grandi et que ça a l'air d'être un pur beau gosse. Ah, on a Elébor qui vient de se réveiller. Je suppute qu'il va gueuler. Qui va bientôt grandir aussi, hein, dans la nuit, sûrement, en fait. Mais toi, mais je t'ai déjà dit d'arrêter de bouffer. Eh, je vous jure. Voilà, il est déjà bleu parce qu'il va chialer, mais je l'ai pré-shot. Voilà. Il n'aura pas le temps de gueuler cette fois-ci. Ils vont partager la chambre ici, la chambre d'enfant. Et effectivement, vu qu'on a 2 filles, 2 garçons, ça me paraît logique, on pourra diviser les chambres en 2 et 2. Allez ma petite Daf, bonne nuit à toi, repose-toi bien. Demain, ça va être une autre journée et surtout un autre épisode. Bon allez, tant pis hein, pour l'étudiement des adversaires, mon petit, tu vas être là te coucher aussi. Moi, je vais juste attendre que les bords grandissent, qui devrait pas tarder. Et les bords a grandi. Il est blond. Regardez-le, c'est le seul blond de toute la portée. 1 et 2 et 3, il sera espiègle. C'est pas les plus sages. Hein. Je pensais pas du tout qu'on aurait eu un blond. J'avais fait mon deuil. Et il a les yeux bleus comme papa. Alors Edelweiss sera la seule à avoir les yeux verts. Incroyable. Et voilà, 2 filles, 2 garçons, le choix du roi. 2 enfants, 1 bambin, 1 bébé. Ça fait quand même pas mal de monde dans cette maison, vous trouvez pas? Bon, en tout cas, ils sont heureux, tout se passe bien pour le moment. Malheureusement, nous, on sait que la roue tourne va tourner, et pas dans le bon sens pour Daphné et Valérian. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine encore pour quelques moments de bonheur, avant que quoi d'ailleurs? Hein? Non, on n'est pas au courant, nous. On n'est au courant de rien. Le mot de la fin sera topinambour. Moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour la suite des Destinies. Ciao, ciao!